Bienvenue dans l'univers de TV Bien. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com. Voici l'histoire d'une rencontre avec le groupe Barrio Chino, installé à Marseille depuis plusieurs années. Nous allons suivre leur travail de création musicale pour le spectacle Les Orientales. Sur le thème du musical algérien des années 40-60, ce spectacle nous entraîne dans une musique universelle, signe de tolérance et d'échange. Pour introduire cet épisode, nous vous proposons un concert réalisé par TV Bien lors des ateliers de création à Marseille. Préparez-vous à tomber sous le charme des Orientales. Thank you.
nez. Tu m'as trahi, tu as fait pleurer mon cœur. Plus rien ne me sourit, plus rien, tu as détruit mon bonheur. Attaché, attaché, plus rien n'ailleurs. Wish me khadra wana rabbi ya mashia. Je ne sais comment j'ai pu t'aimer, je me suis laissé enflammer. Ah, béni, tu me trouvais belle, je t'ai cru sincère et fidèle. Scartini de tes bonnes paroles, tu as su très bien jouer ton rôle. J'étais naïve, j'ai cru Bobek. Datni, tu m'as trahi, Omrina Nesmele. Datni, tu m'as trahi, tu as fait pleurer mon cœur. Thank you.
Christmas a mi lado, corazón. Y mi alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tu calor yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. مانيش فوق على حالي يا 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 نحسب فنجوم الليالي يا 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 ما نرقد ما يجيني النور وما عليا حتى نور كي نشوف هيزولو الهموم يا ربي واش قصدي انا في الحب ماذا عندي صارت الليالي ماذا خصي عدل دموعي وبكيت خبيت سري وبميت هذه قصتي في الحب انا في الحب ماذا عندي صارت الليالي ماذا خصي عدل دموعي وبكيت خبيت سري وبميت هذه قصتي في الحب هيك لا توريا دي ان امور كوم نو يترو ايغال كي مي سو كومبريندر تو بيان تو J'aime la musique et le chant. Je trouve cela épatant. Ce qu'on pense de moi, ça m'est bien égal. On m'a surnommé l'Oriental. On m'appelle l'Oriental. Un alouarda sentimental. On m'appelle l'Oriental. Un alouarda sentimental. قلبه يشعل لي يعرفني والله يهبل اي سبوندون جو لو في بار مال وما سيرنومي لوريونتال شانسون تريست او شانسون غير موا جو شانت سو كي مي بلاي ميوزيك عرب ou espagnol, la musique c'est mon idole. Li arafni,
والله يا هبل اللي يعرفني والله يا هبل سكوفانسي موا سامي بيان ليغال On m'a surnommé l'Oriental. On m'appelle l'Oriental. L'Oriental. Un amour sentimental. Sentimental. On m'appelle l'Oriental. Un amour sentimental. On m'appelle. Yarfmi, Wallah Yehbel. Et cependant, je ne fais point mal. On m'a surnommé l'Oriental. On m'appelle l'Oriental. Un avocat sentimental. On m'appelle l'Oriental. Un avocat sentimental. On m'appelle l'Oriental. Un avocat. Partons maintenant au cœur de la création. Avec Mouna, Amina et Sylvie, préparez-vous à tomber sous le charme des Orientales. J'aime toutes les villes et un peu plus Paris. Les Kinmachis comme l'Algérie. Comme elle est belle. On aime la belle. فين نكون ما ننساها ألجي ألجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلانش قلبي بلان دو تريستاس ما ننساك ان روفانش Place du gouvernement M'amra b'hbabi N'koun gharib Plein de tourments Qalbi, qalbi En été pris Plus Paris La Kinmachie Comme l'Algérie Comme elle est belle On aime la belle Fain en coule Ma n'insa Alger, Alger J'hal l'habha Comment voulez-vous un amen habha dans son sein kbro yma ou baba de son soleil je ne puis me passer depuis mon enfance njri dans ses rues sans me قلبي قلبي عني تبقي
n'y a pas une ville plus liée à l'Algérie que Marseille. Et on avait envie, nous Marseillais, d'inviter d'abord Mona, qui est une grande et une jeune chanteuse algérienne et algéroise, Amina, ici à Marseille, parce que c'est un endroit où les choses se font, c'est un port, c'est un endroit qui est lié à l'Algérie. Et quand on est allé jouer en Algérie au mois de juin, on s'est aperçu que, d'abord parce qu'on est fils de pieds noirs et que les gens nous ont reçus avec cœur, mais qu'en plus, il y avait un rapport très très fort avec Marseille, donc c'était tout à fait naturel. Et c'est naturel aussi que ce soit le lieu de résidence, ce projet va voyager, mais c'est son endroit ici, c'est son cœur aussi. Il peut se passer autre chose aussi, hein. Il va venir. Bon, là, il y a une nuance qui a été faite quand même dans ton compagnon. De fait, quoi. Là, c'est bien, je trouve. C'est bien. C'est bien. On l'a fait sur les deux phrases ou les On l'a fait sur les deux. Là, il y a une erreur là. Ah bon? Ouais. De structure? Ouais, il y a une erreur de structure. D'accord, donc. Parce que tu vois, normalement, là, on va à la coda. Il y avait le refrain, on devait faire le refrain deux fois. Il y a moustique. On devait faire le refrain deux fois. Ouais. Le refrain deux fois et puis. C'est le troisième refrain. Voilà, ça c'est le riff de fin. Donc d'accord. En fait, il y a eu un truc qui a servi à rien. Okay. Donc en fait, le troisième refrain, on le fait deux fois. Ouais. C'est bien, mais c'est fait aussi. J'ai absolument flashé sur la musique que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très émouvante, très. Tout de suite le cœur, les tripes, la nostalgie, le pays loin, tout ça. Et de fil en aiguille, j'en assure la mise en scène. Tout ce que je peux dire, c'est que ce répertoire est très, très émouvant, très, très chaud, très. Voilà. La première partie ici, après on remonte. Voilà, tu remontes petit à petit. Et ensuite, tu es prête pour le. On reprend depuis le début. D'accord. C'était bien hein, ce que tu as indiqué avec le sourire et tout. Tout ça, c'est un rêve. Tu es toute seule et tu pars dans ton truc, ok? Voilà, ça va être vachement bien. Pas tout le temps. Faut pas passer par haut, faut passer tout par en bas le regard. Allez. Attends, excuse-moi, je voudrais qu'on recommence. Le chemin qui nous sépare, tout à coup se raccourcit. Énormément de musiciens algériens se sont inspirés du boléro, du cha-cha, de la rumba, du flamenco. Et dans leur répertoire, je prends l'exemple de Blaoui, je prends l'exemple de Billy Boniche, de Salim Alali, ils avaient un répertoire aussi espagnol. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'était ça, c'était de recréer un petit peu ça, mais de la façon la plus brute possible. C'est-à-dire des musiciens, chacun connaît bien sa culture, mais il allait à la rencontre de l'autre. Et je pense que le music-hall, c'est quelque chose qui peut permettre cette rencontre. Parce que c'est une plateforme. On parle beaucoup de la world music, mais c'est la world music avant le mot qu'avant que le mot existait, quoi. Parce que je pense pas qu'il y ait de meilleure fusion que de fusion que tu vives. Voilà, tout lâcher.
de chante. Pareil. En fait, pour moi, il n'y a pas des musiques, il y a vraiment la musique. C'est la même chose. J'avais un petit peu peur jusqu'à hier, en fait, parce que c'est hier juste que j'ai commencé à tenir le premier fil de mise en scène. On a échangé deux, trois choses sur l'idée d'un tissu. Et la mise en scène est venue, on l'a travaillé, et de ce morceau-là est venue la mise en scène du suivant, la mise en scène du suivant, bon, voilà, ça y est, le truc, il a commencé. Et là, moi, je suis comment ? Je suis comment, là ? Que celui qui vient jouer, et je bouge pas, tu bouges pas, tu bouges pas, et tu commences à te tourner vers lui, et il joue en te regardant. Voilà, il joue en te regardant, et toi tu bouges pas. Et juste avant de commencer à chanter, tu commences à te tourner plus. Non, on va dire que tu restes comme ça pour l'instant, et tu commences. J'aime devant lui. Non, reste comme ça. Ouais. Vas-y. J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Voilà. C'est un grand patrimoine, c'est le patrimoine d'Algérie, de toutes les communautés. C'est, pour nous, c'est une façon aussi de rendre mémoire, hommage d'abord aux anciens, à tous ces grands compositeurs, à toutes ces grandes interprètes de l'époque, mais aussi à la question un peu andalou, c'est-à-dire des trois religions avec une question de tolérance et d'ouverture. On a besoin, nous, de raconter, nous, jeunes générations méditerranéennes, de familles nées en Algérie ou nées en France, de raconter que c'est notre histoire commune et que c'est une belle histoire qu'on doit partager et que c'est plutôt optimiste. On le montre pour la danse. Tu sais, comme nous, quand pour aller aussi, nous, quand on monte des trucs pour la danse, après, tu vois, on le joue à compas. Après, t'as les pas les sorties, les rentrées. Par exemple, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Hollande et mes vides, hein, que j'ai jamais entendu en disque, et je l'ai entendu il y a très peu de temps en disque, mais que je connaissais que par les fêtes de famille. Et j'ai arrangé par rapport à cette idée que j'avais, et en fait, en écoutant le disque, j'ai vu que ça ressemblait. J'avais eu à l'époque une bonne mémoire, quoi. J'ai dû l'écouter, je devais avoir 4-5 ans, hein, aux fêtes des Oranais, tout le monde chantait ça, et voilà, et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire l'imprégnation. Par mon grand-père était quelqu'un d'assez féru en flamenco, et mon grand-père paternel était musicien, était chanteur. Il a été d'ailleurs, c'était un ouvrier agricole qui a réussi à avoir le premier prix conservatoire de Rouen. Donc chez moi, il y a eu beaucoup de musique, et depuis que j'ai tout le temps, quoi. J'ai tout le temps. Mon père joue de la guitare aussi, mais chez moi, il y a toujours eu de la musique, quoi. Toujours des chansons. Je veux dire, quand on se réunit entre nous, tout le monde chante, mes grands-mères chantent, je les accompagne. Bon, d'abord, music hall, c'est un endroit qui est un terme qui a été inventé au 19e siècle en Angleterre. C'est un endroit où on trouve plein d'éléments qui sont autour de la chanson. Et ce music hall d'Algérie, il est formé de la musique andalouse, bien sûr.
de la musique qui vient de l'influence des Espagnols, donc ça peut être le tango, les boléros, et aussi du cabaret français. Et ce mélange avec le franc-arabe a donné un genre des années 50, mais qui maintenant, toujours en Algérie, est vivace et toujours aussi en communauté en France. Alors certaines n'avaient pas besoin d'être adaptées parce qu'elles étaient tout à fait actuelles. D'autres, eh bien, on a effectivement un peu transformé. C'est des chansons qui racontent des histoires d'amour, c'est des histoires un peu, parfois un peu sociales. C'est beaucoup autour du cœur, hein. Mais c'est des chansons qui effectivement sont très modernes. On dirait c'est des chansons de maintenant, quoi. C'est ce que j'ai la programmation. Si tu veux bien, en l'arrêt de seconde, je... Ça veut dire que vous avez un rythme. Non, mais... Trop compliqué. C'est pas les mêmes écoles aussi. C'est pas les mêmes écoles. Au fil du temps, ben, tu sais plus où est l'essence même du morceau, quoi. Donc au bout d'un moment, ben, après c'était un parti pris. Bon, ben, on va le faire comme ça, on va mettre ça, on va essayer ça. Voilà, avec, je sais pas, bon, j'espère avec le maximum de bonheur, quoi, mais des fois on tente aussi. Et donc moi, c'était expliquer ce que vous avez, qu'est-ce que les Cubains voulaient, et Cubains expliquer comment il fallait appréhender tout ça. Je pense qu'Alejandro, il a bien, en tant que chef d'orchestre, il a bien compris, comment c'est bien comprendre la façon de fonctionner, quoi. C'est ouais. Pas jouer des notes, c'est dans quelle philosophie tu les joues. Tu vois, c'est ça qui est complexe. Qu'il soit perdu, qu'il n'est que remis. Ça vient avec quelqu'un qui l'a fait tout ça sous le métal sur le côté sur le métal. Et les Turcs, ils ont trouvé l'idée en fait, les Égyptiens, de la faire en dur, quoi. Et ça ne change pas le son, il vient. Non, pas du tout. Entre cela et la tricuit, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, déjà, tu as la peau naturelle, la chair, hein, très fine, ouais. Avec, comme le dire, mais l'accordage, une petite fil comme ça, et tu es obligé de la chauffer avec une baladeuse. C'est mortel. Mais par contre, il y a un son terrible aussi. Et après, ils ont trouvé peau de poisson. Les Tunisiens, ils ont trouvé un son terrible, c'est peau de poisson. Alors là, elle claque super bien. Ah ouais, c'est vrai. Un peu de rêve, non? De rêve, ouais. Thank you.
a une partie de la musique cubaine qui ressemble un peu à la musique algérienne, c'est la partie qui vient d'Afrique en fait. La musique cubaine c'est une combinaison entre la musique africaine et la musique espagnole à la base. Il y a une partie afro-cubaine qui est traditionnelle où il y a beaucoup de circuits. Et pareil que la musique algérienne avec les tambours bata qui c'est comme un bendir mais double, il y a des pots de deux côtés disons. Et là on trouve beaucoup de ressemblances quand même avec la musique traditionnelle algérienne ou maghrébine en général. C'est impossible pour moi d'attraper la tradition algérienne. Et ça on ne s'est pas proposé de tout ça parce que pour ça il faut la moitié d'une vie. Quoi. Et nous on essayait d'adapter. À la base le projet c'est un projet de fusion, ce n'est pas un projet traditionnel. On utilise les influences algériennes, mais la base même du projet que c'est de music hall, et ce n'est pas de la musique algérienne, ça permet de faire de la fusion. Et ça nous laisse quelques libertés et c'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai pu diriger un projet comme ça, parce que si ça a été que de la musique traditionnelle, il faudra chercher quelqu'un d'autre et c'est sûr que c'est mieux de trouver des Algériens. Dans l'enregistrement qu'on a, nous, c'est le père de Mokhtari qui joue. Quand il a joué, tout à l'heure, il a joué une improvisation, enfin, c'était en quelque sorte un prélude, un cymbal, mais avec du rythme, Taksim. C'est en fait ce que joue son père. Bien sûr, c'est des filiations, c'est comme les musiciens africains ou les musiciens de flamenco, il y a le truc de la filiation, il est très important. Celui qui avant, il te transmet ses secrets petit à petit, quoi, et puis à toi de transmettre au suivant. J'étais élève au conservatoire d'Alger. Alors, nous étions dans un orchestre en Dalo, à Sendoussia, depuis mon jeune âge. Mon père, c'était le virtuose du violon. C'est pas que mon père. Il était très doué. Alors, moi, j'étais doué aussi. Il m'a appris le violon. J'étais guitariste. Après, j'ai appris à faire le violon. J'ai aimé le violon de mon père. Alors, stop to rahi. Thank you.
ce truc de la culture populaire savante. C'est-à-dire que les gens, c'est une notion qui est un peu perdue en France, mais j'espère qu'il va revenir, mais c'est-à-dire que la culture de la rue est savante. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient ils écoutent un musicien qui fait un beau stirbal ou un bon être, ils applaudissent, quoi. Ça, j'ai trouvé, c'est très touchant, par exemple. Les musiciens de la radio, c'est des musiciens qui sont connus et cotés à Alger. Et que quand Mokhtari ou quand Khaldin a fait un stirbal ou moi-même, ou ça, genre, c'est le moment attendu, quoi. Je crois que c'est une musique qui a invité. C'est une musique qui a. Et je pense qu'il dépasse même quelque part leurs auteurs, quoi. Parce que ça raconte tellement de choses. C'est pas simplement l'auteur en tant que. Mais toute une peinture. Ça raconte plein d'histoires qu'on nous a racontées les uns les autres dans nos familles. Tu vois, c'était une bouture qui peut reprendre tout de suite. Ça draine beaucoup, 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 beaucoup de choses, quoi. Et que les gens, ils ont envie d'en parler. Et je crois qu'il est temps. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com.